ces gens-là, il y a un particulier intervenir, une personne qui, famille-là, fait ce deuil quand même, avec un petit problème, tu disais, faire l'autopsie, tout ça là. Mais il est bien interpellant, ça, quand là, nous pas qu'à pas dire, il est bien interpellant parce qu'il y a un enfant, 13 ans, qui trouve lui enceinte et qu'il mouille. On appelle ça mouille entre guillemets, mais ses parents disent mouille. Alors, nous, en tant qu'adultes, dans un pays, nous devons protéger les enfants. Nous devons pas laisser ça toute chose à arriver. Il y a un cas de trop. Et la grossesse précoce, il a affecté la santé des enfants et que nous devons faire des choses qu'ils en font aussi par rapport dans le mariage. Dans la vie de couple trop bonheur, parce qu'ils en font sur place, surtout à 14 ans, hein, dans l'école. Alors, il est clair que ça, c'est illégal, hein, c'est pas un mariage légal, mais seulement, nous avons une section de la loi qui dit qu'elles n'ont pas une enfant, elles en font 16 ans avec consentement sur parents, elles sont mariées. Vous pensez, moi, c'est non. Nous visons marier quand nous arrivons à l'âge adulte. Les là, nous mature enough pour prendre responsabilité du mariage. Ça, c'est mon point de vue, là. Et je presque sûr que le Children's Bill pourrait résoudre sa problématique de mariage d'enfants-là. Et puis, là, une direction bien claire. Et que nous visons aussi, parce qu'il a la Child Protection Act, c'est any unmarried person qui peut encore atteindre l'âge de 18 ans. Moi, je pense que les enfants, c'est un dîner qui peut encore atteindre l'âge de 18 ans. Mais c'est bien clair pour tous les enfants mauricien. Le bureau de l'ambus personne, pas qu'elle reste tranquille quand il y a un mot et que nous connaît qu'ils enfants là, c'est enceinte. Évidemment, nous pouvons étudier ce cas-là. Nous pouvons étudier le cas parce que ce cas qui nous est non, il y a une histoire, le système. Comment dire, toutes les affaires à the micro level, il y a une histoire à the macro level. Il y a nous qui peut arriver au niveau du système. Alors, peut-être que ça c'est une pratique, mais ce n'est pas une pratique qui est légale. Parce que les enfants se placent dans l'école. Et, mais seulement, pas juste le mariage des enfants, mais aussi teenage pregnancy, grossesse précoce, qui là aussi, qui nous faisait faire beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation. C'est quelque chose de bien important. Et nous faisait faire sensibilisation, interact avec les enfants. De nous autres, sans parole pour causer là. Pas juste écouter. Pas dans la classe là. Hein. Même dans la classe, vous avez une pédagogie active, mais là, quand le bureau de l'ambus personne sensibilisé, nous sommes dans film, nous sommes dans sketch, nous santé, nous faisons beaucoup de choses dépendant de l'âge et de la maturité de l'enfant.